Donc bonjour à tous, ben, j'espère que déjà que vous allez tous bien, que vous arrivez à peu près à trouver une vie normale. Merci de vous être mobilisé pour ce rendez-vous un tout petit peu inhabituel. Comme je l'ai dit dans le message sur Moodle, on fera un petit débriefing après. Vous m'enverrez des messages pour me dire si la qualité technique était acceptable ou bien si vous avez été obligé de décrocher tellement c'était mauvais. Voilà, et en fonction de vos commentaires, eh ben, on verra ce qu'on fera pour la semaine prochaine. Voilà, déjà, comme vous l'avez vu, j'ai mis en place un petit chat en parallèle auquel vous pouvez accéder. Donc si un ou deux peuvent me répondre en disant si la clarté des diapos est correcte et si vous m'entendez bien, j'attends peut-être une ou deux réponses avant de continuer. Ah super, merci Alexiane, merci Sébastien, génial. Audio 5 sur 5, parfait. Bon, ben, dans ces conditions, je vous propose de commencer. Je vais aller assez vite à l'essentiel pour pas vous maintenir non plus 2 heures devant votre ordinateur. Donc, déjà, vous avez le résultat du mot croisé de la semaine dernière, n'est-ce pas? Nous ne changeons pas nos habitudes malgré les difficultés du moment. Aujourd'hui, on va prendre finalement la suite logique de ce qu'on a fait la semaine dernière en parlant de l'activation des lymphocytes B. Les questions qu'on va aborder, c'est de comprendre comment les B vont être capables de convertir le signal de reconnaissance antigénique en un signal d'activation. Comment, parce que c'était un des éléments importants de la réponse B, les cellules B peuvent recevoir l'aide des cellules T et quelles sont les conséquences en fait de cette aide des cellules T aux cellules B. Donc vous avez ici le plan du cours. Les généralités vont se limiter à leur plus stricte expression. Je vais simplement reprendre le fait que pour les cellules B, il en va de même que pour les cellules T, à savoir que l'idée, c'est que suite à la différenciation des cellules B et l'établissement d'un répertoire très très large de cellules B, chacune avec un BCR qui lui est propre, eh bien la conséquence de ça, c'est que à l'entrée d'un pathogène, un très faible nombre de cellules B sont capables de reconnaître les antigènes de ce pathogène. Et donc, on va avoir, et c'est une des premières étapes de l'activation, un phénomène de sélection des cellules B spécifiques de l'antigène qui va conduire à leur prolifération afin de permettre finalement d'augmenter la fréquence des cellules B répondeuses vis-à-vis du pathogène. Et évidemment, un deuxième aspect, c'est de doter ces cellules B des armes qui leur permettront de lutter dans le cadre de la réponse immunitaire contre ce pathogène. Et donc ces cellules B vont pouvoir évoluer majoritairement en plasmocytes, sécréteurs d'anticorps, mais également en cellules mémoire. Et en fait, une des particularités de la plupart des réponses B, et en cela elles sont différentes des réponses T, c'est que les cellules B, et c'est ce que vous voyez sur la partie gauche ici de la diapo, vont le plus souvent nécessiter l'aide de cellules T pour pouvoir se développer et s'activer tout à fait correctement. Alors non pas les TH2 comme c'est indiqué dans ce vieux schéma, mais je l'ai déjà abordé la semaine dernière, une nouvelle population de cellules T qu'on appelle les TFH et sur lesquelles je reviendrai. Juste après une ou deux minutes, je fais un petit break pour voir si tout va toujours bien. Si ça parle pas trop vite, si mes propos sont compréhensibles, et j'attends un ou deux réponses pour continuer. Top, super. Allez, impec. Allez, on continue du coup.
Donc voilà, après cette généralité très rapide, on va parler à proprement parler de l'activation B. Alors, parallèle là aussi avec les cellules T, ben, cette activation se joue dans les zones B des organes lymphoïdes secondaires, donc dans les ganglions. Comme vous le savez, ce sont les zones dans lesquelles les cellules B viennent se loger dès qu'elles rentrent dans un ganglion et avant d'en ressortir. Et elles y sont bien entendu attirées par la chimiokine CXCL13 et elles répondent à cette chimiokine par le fait qu'elles expriment le récepteur de chimiokine CXCR5. Et donc là, je ne refais pas tout le discours que j'ai fait la semaine dernière pour les cellules T, mais le ganglion joue là encore ce rôle de club de rencontre en fait, hein, entre des antigènes très rares et des cellules B très rares qui par ailleurs ne vont pas dans les tissus directement tant qu'elles sont à l'état naïf. Donc en fait, là encore, hein, le passage régulier des cellules B naïves dans les ganglions leur permet de scanner en permanence l'arrivée potentielle d'antigènes. Alors, ce qui diffère un petit peu pour les cellules B par rapport aux cellules T, c'est que pour les cellules T, les antigènes arrivent de façon obligatoirement amenée par les cellules dendritiques. Évidemment, la nature de la reconnaissance native de l'antigène par les cellules B change un peu la donne. Et en fait, les modes d'arrivée de l'antigène dans les organes lymphoïdes secondaires est plus variable en ce qui concerne les cellules B. Ils peuvent y être amenés également par des cellules dendritiques, mais le plus souvent, ils y arrivent en diffusant sous une forme soluble par la lymphe ou encore si ce sont des pathogènes entiers, par exemple, qui peuvent accéder directement dans ces organes lymphoïdes secondaires. C'est pas très important, mais on a des observations de plus en plus fréquente maintenant pour dire qu'une population de macrophages, qu'on appelle les macrophages sous-capsulaires, qui sont situés juste ici sous la coque en fait, hein, qui délimite le ganglion, ben en fait se gavent pas mal des antigènes qui arrivent par la voie lymphatique et peuvent servir de cellules entre guillemets présentatrices pour ces cellules B, sachant bien sûr que dans ce contexte, la présentation n'est pas du tout le même type de présentation que ce qu'on a pour les cellules T, pas d'apprêtement d'antigène, pas de CMH impliqué. Donc là, j'ai remis cette diapo pour vous rappeler hein, qu'effectivement, les concepts de la sélection clonale qu'on avait vu pour les cellules T s'appliquent aux cellules B, et à partir d'un répertoire diversifié de cellules B, chacune avec leur BCR, qui implique donc une fréquence extrêmement faible de cellules B capables de répondre à l'antigène, eh bien l'antigène va jouer ce rôle de sélectionner la cellule B qui a le bon BCR parmi le répertoire déjà constitué en amont, et la conséquence, ça va être la prolifération et l'activation de cette cellule pour qu'elle réalise des fonctions utiles dans le cadre de la réponse immune. Et donc, pour détecter cet antigène, évidemment, comme vous le savez déjà, hein, la cellule B est équipée du BCR. Alors là aussi, je vais procéder par comparaison et par différence, analogie et différence par rapport au TCR. Ben, les points communs entre BCR et TCR, c'est que finalement, de nouveau, on a ici un récepteur qui va directement reconnaître l'antigène, mais qui ne possède pas de domaine intracellulaire conséquent. Et donc, le BCR, comme le TCR, peut reconnaître l'antigène, mais en tant que tel, ne peut pas transmettre de signal. Et donc, en fait, les signaux sont transduits par des molécules qui sont associées au BCR, c'est les molécules IgA et Igβ, là où on avait les CD3 par analogie avec le TCR, et ces sous-unités associées au BCR permettent non seulement son expression à la surface, elles agissent un peu comme des chaperones, mais via les ITAM qu'elles possèdent, hein, vous vous souvenez de cette notion d'ITAM, de motif de phosphorylation intracellulaire, eh bien elles vont pouvoir propager la signalisation. Et là, de nouveau, qui dit motif de phosphorylation dit kinase. Et de nouveau, comme pour les T, on trouve des kinases qui vont être impliquées. Et ce sont là également des kinases de la famille SARC. Pas forcément les mêmes, hein, puisqu'on a FIN qui est commune aux T et aux B, mais également LIN et BLK qui sont propres aux cellules B. Et donc, ces kinases vont phosphoryler les ITAM.
Et une fois phosphorylés, ces itams servent de site d'ancrage à de nouvelles kinases. Alors si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait dit que pour l'été, c'était une kinase qui s'appelait ZAP 70. Ben là, c'est une kinase de la même famille qui joue le même rôle et qui s'appelle SYK, tout simplement. Et donc, finalement, le mécanisme, c'est que l'interaction de l'antigène avec le BCR va agréger les BCR, rapprocher les itams des kinases, et ces kinases SARC vont d'abord initier la cascade de signalisation en phosphorylant les itams, et ensuite ces itams phosphorylés recrutent SYK qui, à partir de là, va phosphoryler toute une série de substrats. Et donc, là où j'ai mis une diapositive très compliquée dans laquelle il est marqué important, mais encore une fois, ce qui est important ici, c'est simplement de se souvenir que à partir de cette signalisation initiale, pardon, du BCR, ben, plusieurs voies vont être déclenchées en parallèle, la voie RAS-RAC, la voie du glycérol, la voie du calcium, et que, in fine, comme pour les cellules T, ça va conduire à la mobilisation de facteurs de transcription qui vont se fixer sur des gènes de réponse qui vont permettre donc à la cellule B de participer complètement à la réponse immunitaire. Donc beaucoup d'analogies, vous le voyez, avec le fonctionnement des cellules T, et c'est juste le nom globalement des molécules et des effecteurs qui va varier. Alors, ça c'est pas très important, mais la notion de co-récepteur est également évoquée pour les cellules B, même si, il faut le dire, pour le coup, ça ressemble pas vraiment au rôle que jouent les co-récepteurs CD4 et CD8 pour les T. C'est plutôt des molécules qui sont exprimées à la surface des B et qui facilitent l'activation, mais elles ne reconnaissent pas directement l'antigène comme le faisait finalement le co-récepteur CD4 ou CD8, qui en se fixant au complexe peptide CMH, reconnaissait finalement le même ligand antigénique que le TCR. Là, vous voyez, dans l'exemple qui est montré, c'est pas le cas, hein, l'anticorps de surface reconnaît l'antigène, et d'autres molécules, comme des récepteurs au complément, la molécule CD19, contribuent à renforcer la signalisation. Alors, quelles sont donc maintenant les cellules B qui vont pouvoir s'activer? Eh bien, en fait, vous avez résumé ici les grands types de cellules B qu'on retrouve. Alors, on a souvent tendance à penser que les cellules B sont peu polymorphes, qu'il y a peu de différences et peu de sous-populations. Ce n'est pas vraiment le cas. Vous avez sur la gauche ici les populations de cellules qu'on appelle B1, B1A et B1B. Alors, ces populations de cellules sont assez particulières. C'est les premières finalement à naître chez l'individu au niveau fœtal, donc elles sont produites extrêmement tôt, et en fait elles ont des localisations assez particulières dans l'organisme, puisque après la naissance elles se retrouvent beaucoup dans le péritoine et dans la plèvre. Elles peuvent être un petit peu circulantes, mais globalement elles sont un petit peu à part, et elles reconnaissent également des antigènes un petit peu spéciaux, donc je ne vais pas rentrer trop dans le cas, c'est souvent des polysaccharides. Et en fait, toutes ces propriétés, le fait de ne pas forcément suivre le trajet habituel des cellules B, de reconnaître des antigènes particuliers, font que ces cellules B ne recevront pas l'aide des cellules T au cours de leur activation. Et du coup, une des conséquences de ça, c'est que ce sont des cellules B qui produisent quasi exclusivement des IgM. Parfois, elles peuvent produire des IgA, mais c'est plus rare. Elles ont une assez basse affinité pour les antigènes. Et enfin, lorsqu'elles sont différenciées en plasmocytes, eh bien, ces plasmocytes ont plutôt une durée de vie assez courte. Donc, à côté de ces cellules B1, on retrouve les B2. Là aussi, il y a deux populations. La population MZ, MZ étant pour Marginal Zone. C'est des cellules B qu'on retrouve spécifiquement localisées dans la rate, dans une zone de la rate qu'on appelle la zone marginale. Et de nouveau, ces cellules sont, vous le voyez, un peu particulières par leur localisation,
également par les antigènes qu'elles reconnaissent, et ces deux paramètres les privent en quelque sorte de pouvoir recevoir l'aide des lymphocytes T, et du coup au cours de leur activation, à peu près comme les cellules B1, elles vont produire quasi exclusivement des IgM, parfois un petit peu d'IgG3, mais c'est rare de nouveau, et pareil, ces IgM sont de basse affinité, et les plasmocytes producteurs sont à courte durée de vie. Alors finalement, les cellules les plus importantes, hein, et celles qu'on retrouve majoritairement donc dans le sang circulant d'une part, et qui passent régulièrement dans les zones B des organes lymphoïdes secondaires, c'est ces cellules B2 FO pour folliculaire. Et en fait, voilà vraiment les cellules qui ont toutes les caractéristiques pour recevoir l'aide des cellules T, ce qui leur permettra au cours de leur activation non seulement de produire des IgM, mais également possiblement des IgA, des IgE, des IgG. Et je vous expliquerai dans quelques minutes comment ça fonctionne. Et donc là, pour le coup, on a des cellules qui vont produire des anticorps de très haute affinité, notamment les IgA, E et G, et qui vont pouvoir donner naissance à des plasmocytes à très longue durée de vie, ces plasmocytes pouvant durer aussi longtemps que des cellules mémoire, à savoir plusieurs dizaines d'années dans l'organisme. Je mentionne très brièvement, parce qu'elles sont sur la diapo, une nouvelle population de cellules B qu'on appelle les cellules B régulatrices, qui en fait ne produisent pas vraiment d'anticorps, mais produisent des cytokines immunorégulatrices comme l'interleukine 10 et l'interleukine 35, par exemple. Peu importe. Alors ici, vous retrouvez une diapo. Donc, j'espère que les messages de cette diapo, vous les avez bien en tête depuis l'an dernier déjà. C'est une diapo qui répond, qui récapitule finalement les étapes et la dynamique de la réponse B. Et donc, ce que ça montre, c'est que au cours d'une première rencontre avec l'antigène, c'est des cellules B naïves qui vont être activées et qui vont, pendant une bonne partie de cette réponse qu'on appelle la réponse primaire, produire des IgM. Et en fait, plus tardivement, au cours de la réponse, on verra apparaître des Ig différentes, notamment des IgA, des IgG et un petit peu d'IgE. Et en fait, ces productions d'IgG A et E proviennent de cellules B qui ont été activées en présence de cellules T et qui ont fait le phénomène qu'on appelle de commutation de classe, qui est totalement sous la dépendance des cellules B et qui leur permet de changer le type d'anticorps qu'elles produisent et donc de passer d'IgM à G, A ou E. Et en fait, en réponse secondaire, c'est-à-dire que si le même antigène est réintroduit plus tardivement, eh bien cette réponse va dominer. Hein, on verra à ce moment-là surtout des IgG A et E. Et en fait, ça provient du fait que des cellules mémoire qui ont déjà réalisé la commutation de classe vont être stimulées et donc vont produire très rapidement ces classes d'anticorps. Et en parallèle, il se mettra en place une réponse primaire classique avec quelques cellules B naïves qui seront là aussi stimulées et qui pourront produire également quelques IgM. Mais en réponse secondaire, vraiment, et en fin de réponse primaire, la réponse IgG, A et E domine. Et en parallèle, ce qu'on voit, c'est que si on mesure l'affinité des anticorps produits contre l'antigène, eh bien, globalement, au fur et à mesure que la réponse se déroule, l'affinité des anticorps augmente. Et vous voyez que c'est surtout le fait des IgG, j'aurais pu mettre A ou E aussi, pour différencier finalement des IgM, où les IgM, elles, gardent des affinités relativement faibles pour l'anticorps. Et ça, c'est le phénomène qu'on appelle d'hypermutation somatique. Et ce qu'on va voir, c'est que ces deux mécanismes, commutation de classe, hypermutation somatique, ont lieu uniquement lorsque les cellules B sont activées en présence de cellules T. Alors, un point important, c'est que, comme on l'a vu, hein, les cellules B possèdent un BCR, et puis ensuite elles peuvent sécréter l'anticorps. Et en fait, l'anticorps, ce n'est rien d'autre que le BCR lui-même, mais sous une forme sécrétée. Et en fait,
comment ça fonctionne, ce passage d'une forme membranaire à une forme sécrétée, ben c'est ce que montre cette diapositive. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a des polyas différents sur le gène qui code pour les anticorps. Et en fait, ces polyas peuvent être utilisés de façon régulée. Et vous voyez qu'ici, si on utilise le polya le plus distal, eh bien, en fait, ça va conduire à l'utilisation d'exons qui codent pour la partie transmembranaire de l'anticorps. Et quand ce polya est utilisé, en fait, après transcription primaire, production d'ARN messager et traduction, eh bien, la protéine se retrouvera, grâce à ce petit segment transmembranaire, ancré dans la membrane de la cellule B. Au cours de l'activation, eh bien en fait, ce polya va continuer à être un peu utilisé, mais c'est surtout le deuxième polya ici qui va être utilisé et qui, lui, finalement, permet l'expression d'un petit segment très très court qui, en fait, n'est pas ancré à la membrane. Et du coup, l'ARN messager qui va résulter de cet épissage code pour une chaîne lourde sans capacité d'ancrage membranaire. Et du coup, avec cette forme-là, on va retrouver l'anticorps sécrété dans la circulation. Et donc, vous voyez que c'est une problématique d'épissage alternatif, régulée bien sûr par l'activation, qui permet de passer de la forme 100% membranaire à une forme, on va dire, 10% membranaire et 90% sécrétée, une fois que la cellule B a été activée. Alors, deux notions, du coup, vis-à-vis de ces problématiques de dépendance vis-à-vis des cellules T. On a la notion d'antigène T indépendant. Donc, en fait, ce sont des antigènes qui donnent lieu à des réponses, même en absence de thymus. Donc, par exemple, vous pouvez avoir des réponses B tout à fait normales dans des souris nude, donc qui n'ont pas de thymus. Et en fait, ces antigènes T indépendants sont principalement reconnus par les cellules dont j'ai parlé tout à l'heure, les B1 et les B2MZ. Et en fait, comme indiqué déjà, hein, elles produisent surtout des IgM et un peu des IgG3 et des IgGA. En général, ces antigènes sont de nature non protéique, et ils conduisent à une réponse d'anticorps d'assez faible affinité et sans mémoire. Et donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on obtient lorsqu'on active une cellule B de manière générale en absence de cellule T. Et à côté de ces antigènes T indépendants, on retrouve des antigènes T dépendants. Et ceux-là, ils déclenchent des réponses très très différentes dans une souris normale et dans une souris nude, par exemple. Et en fait, la réponse dans la souris normale est considérablement plus avancée, plus évoluée. Et du coup, ce sont ces cellules-là, ces antigènes-là, qui donnent lieu à des réponses T ou thymodépendantes. Et c'est particulièrement les cellules B2F0, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui reconnaissent ce type d'antigène. Alors, ces cellules-là vont produire des anticorps diversifiés, des IgM, bien sûr, mais aussi et surtout des IgG, des IgA et parfois des IgE. En termes d'affinité, les anticorps produits reconnaissent ces antigènes avec des faibles à forte affinité. Ça dépend du stade de la réponse immune. Plus on avance et plus l'affinité est forte. Et enfin, ça donne lieu à une réponse mémoire très importante. Et donc, évidemment, hein, ce sont ces antigènes-là qui sont les plus forts, qui donnent les réponses les plus consistantes, les plus importantes, et si on se place dans les contextes vaccinaux, hein, c'est particulièrement vers ce style d'antigène qu'il faut se diriger lorsqu'on veut déclencher des réponses très efficaces. Voilà, donc voilà quelques éléments assez importants concernant l'activation des cellules B, et je vais rentrer maintenant dans la façon dont les cellules T, notamment les cellules TFH, vont pouvoir apporter cette aide aux cellules B. Avant de commencer ça, peut-être je peux faire un break d'une minute pour voir s'il y a des problèmes ou des questions par rapport à ce que j'ai indiqué jusqu'à présent, sachant que dans tous les cas, vous pourrez toujours poster des questions a posteriori en utilisant le forum que j'ai mis en place sur Moodle, juste à côté de ce cours. Donc voilà, je vous laisse une petite minute pour réagir, me dire si tout va toujours bien sur le plan technique, et si je réponds à une ou deux questions, ou bien si on continue.
Encore nickel, très bien. Au moins sur le plan technique, la formule a l'air de bien marcher. Alors, donc, les B2F0 sont les seuls à participer à la réponse T dépendante. Oui, quasiment, hein, vous pouvez considérer que c'est effectivement le cas. J'ai indiqué tout à l'heure qu'il y avait des fois quelques événements de commutation de classe dans les B1 et les B2MZ, mais ils sont très limités et ils opèrent par des mécanismes, en tout cas par des stimuli un peu différents qui ne dépendent pas des cellules T. Donc vous pouvez effectivement considérer que globalement, les B2F0 sont les cellules B qui peuvent contribuer de façon T dépendante à la réponse. Et alors, est-ce que vous pourriez réexpliquer l'hypermutation somatique? Ben, je ne vais pas la réexpliquer parce que c'est ce que je vais commencer à expliquer maintenant dans l'aide des TFH au B. Et donc, si jamais ce n'est pas clair dans quelques minutes, vous me reposerez la question. Donc, du coup, je vois que vos commentaires se tarissent. Et donc, je continue sur la façon dont les cellules T, notamment les TFH, vont apporter l'aide au B. Alors, déjà, pourquoi les cellules TFH? Alors, je vous ai un tout petit peu expliqué ça la semaine dernière, hein, c'est que historiquement, on a commencé à penser que c'était les cellules TH2 qui apportaient l'aide au B. Mais en fait, cette hypothèse, elle satisfaisait personne. Parce que d'une part, les cellules TH2 ne vont pas dans les zones B. Or, il faut un contact cellulaire et les signaux échangés entre les T et les B dépendent de contact cellulaire. Donc, il faut absolument que la cellule T qui aide les B puisse aller dans les zones B. Et deuxièmement, les cytokines produites par les TH2, donc notamment l'IL-4, l'IL-5 et l'IL-13, eh ben, si elles exercent ces cytokines quelques fonctions sur les cellules B, elles ne peuvent pas, à ces trois cytokines-là, récapituler l'ensemble des fonctions qu'on peut attendre des cellules B. Et donc, il y avait toujours l'idée que la cellule T qui pourrait aider les B de façon plus idéale, eh bien, pourrait non seulement aller dans les zones B des organes lymphoïdes secondaires, mais surtout pouvoir produire beaucoup plus que des IL-4, 5 et 13. Et en fait, c'est des travaux qui ont une quinzaine d'années maintenant, qui ont montré qu'au cours de l'activation des cellules T, cette fois-ci, hein, je parle bien de cellules T, eh bien, une partie des cellules T, comme c'est indiqué sur la cytométrie ici, eh bien, se mettait à exprimer au cours de l'activation le récepteur CXCR5. Et donc, c'est ce même récepteur qui permet finalement au B d'aller dans la zone B. Et donc, ces cellules T, qu'on appelait T folliculaires helper, parce qu'elles vont dans les follicules et qu'elles aident les cellules B, sont ces cellules qui, au cours de l'activation, se mettent à exprimer CXCR5. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ces T folliculaires helper, eh bien, ils peuvent produire des cytokines très très différentes. Et en fait, la façon dont on voit ça maintenant, c'est que les cellules T CD4 naïves commence par s'activer dans une voie de type TH1, TH2, TH17, comme je l'ai indiqué la semaine dernière. Et puis certaines de ces cellules, déjà engagées dans la voie TH1, TH2 ou TH17, se mettent à exprimer CXCR5. Donc, non seulement elles acquièrent la possibilité d'aller dans les zones B, mais en plus, elles conservent finalement le type de cytokines très différentes produits par les TH1, par les TH2, par les TH17. Et du coup, ça permet d'avoir finalement des cellules T auxiliaires activées allant dans les zones B et pouvant produire toutes les cytokines dont on a besoin pour activer correctement les cellules B. Alors, certainement qu'une des diapos les plus importantes du jour, c'est la suivante. C'est celle qui montre comment, en fait, les cellules T et les cellules B interagissent ensemble et décident de coopérer. Et en fait, ce qu'il faut bien voir ici, c'est que dans ce processus, la cellule B va se comporter comme une cellule présentatrice d'antigène. Alors, à quel titre? Eh bien, déjà parce que les cellules B expriment constitutivement les molécules de CMH de classe 2. Et donc, ces cellules B ont la capacité de présenter des antigènes en utilisant la voie d'entrée d'antigènes exogènes
qui vont rentrer dans la voie d'apprêtement des antigènes par les molécules de CMH de classe 2, telles que je l'ai explicité il y a quelques cours. Donc vous vous souvenez, compartiment d'endocytose, fusion avec un compartiment qui contient les molécules de CMH associées au peptide CLIP, et puis dans ce compartiment dégradatif, on a un échange des peptides CLIP par des antigènes générés par la dégradation et ensuite export à la surface. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la différence par rapport à une dendritique qui va faire le même processus, c'est que la façon dont l'antigène va être capté pour rentrer dans cette voie de biosynthèse, c'est via sa reconnaissance par l'anticorps de surface, donc par le BCR. Donc du coup, il y a une entrée vraiment spécifique ici de l'antigène qui sera ensuite présentée sous une forme complexe peptide CMH de classe 2 aux cellules T. Et donc si vous avez une cellule TFH qui a un TCR spécifique de ce complexe peptide CMH2, elle va bien sûr pouvoir rentrer en contact avec cette cellule B. Alors ça amène quelques petits commentaires. Le premier, c'est que si on veut que la cellule T reconnaisse l'antigène, il faut donc qu'un peptide ici vienne se fixer au CMH. Comme ce peptide provient de la dégradation d'une molécule plus grosse, eh ben, la génération d'un peptide ne peut venir que d'une protéine par définition. Du coup, vous voyez ici que pour qu'une coopération TB ait lieu, il faut impérativement que l'antigène ici, qui sera internalisé, dégradé et qui donnera donc lieu à un peptide à la fin, soit au moins en partie de nature protéique. Donc ça veut dire que ça peut être une protéine. Mais ça veut dire que ça peut être aussi une glycoprotéine ou une lipoprotéine, par exemple. Mais les polysaccharides, les acides nucléiques, les lipides ne sont pas éligibles pour donner lieu à une coopération TB, puisque si on a un antigène polysaccharidique ici, il pourra bien sûr être reconnu par le BCR, mais une fois qu'il va rentrer dans ce processus, sa dégradation ne donnera jamais lieu à un peptide. Donc vous voyez que un des déterminants qui fait que on peut apporter une aide des cellules T aux cellules B, c'est que au moins en partie l'antigène reconnu doit être de nature protéique. Alors ça ne veut pas dire du tout que le BCR reconnaît exactement la même portion d'antigène que celle qui sera ensuite présentée au TCR. Ça peut arriver que le BCR reconnaisse la partie peptidique qui sera ensuite associée au CMH, mais c'est vraiment un cas extrêmement particulier, anecdotique. En général, le BCR reconnaît l'antigène sur une autre partie, par exemple une autre portion protéique de la protéine, ou bien la partie glucidique d'une glycoprotéine, va internaliser l'antigène par ce biais, et c'est uniquement à l'intérieur de la cellule que la partie protéique sera dégradée pour générer des peptides dont l'un s'associera au CMH de classe 2 et sera reconnu par les cellules T. D'accord? Et donc en fait, hein, c'est vraiment important, si on se place sur le plan vaccinal, hein, de dire que si on veut avoir une réponse efficace, donc de haute affinité, diversifiée en termes d'anticorps produits, avec des cellules mémoire, eh bien il faudra vraiment qu'il y ait une fraction protéique dans les antigènes qui sont délivrés par ce vaccin, pour que ce schéma ici soit optimal. Voilà, j'espère que ce schéma est bien compris. On pourra y revenir tout à l'heure dans une petite séance de questions s'il y avait des problèmes majeurs. Alors, donc maintenant que ces deux cellules peuvent rentrer en interaction grâce au processus que je viens d'indiquer. Et du coup, voilà les signaux qui sont ensuite échangés entre ces deux cellules. Alors en fait, on retrouve à peu près les mêmes types de signaux que ceux dont on avait parlé pour l'activation des cellules T. Donc on a un signal 1 qui est le signal de reconnaissance spécifique de l'antigène par le BCR cette fois-ci. On va avoir un signal 2 très important sur lequel je vais revenir juste après. C'est le signal qui est perçu par la molécule, qui est en fait un récepteur qu'on trouve sur la cellule B, qui est le récepteur CD40. Et ce récepteur CD40 va interagir avec son ligand
qui est présent sur les cellules T activées. Et donc, ce ligand, c'est ce qu'on appelle CD40 ligand ou CD154. Et enfin, le troisième signal, hein, c'est un signal de production de cytokines par la cellule T de type TFH, cytokines qui seront reconnues par des récepteurs de cytokines sur les cellules B. Donc voilà, c'est la somme de ces trois signaux, donc comme vous le voyez, qui nécessitent des contacts membranaires qui permettront à la cellule B de bénéficier de toute l'aide, et on va voir maintenant comment ça va fonctionner. Et donc on aborde ce chapitre des conséquences de la coopération TB. Et donc les quatre conséquences de la coopération TB, c'est qu'on va avoir dans les organes lymphoïdes secondaires, dans le ganglion, la formation d'une structure un peu particulière qu'on appelle le centre germinatif, dans lequel je vais revenir dans la diapo suivante. La formation de plasmocytes à longue durée de vie et de cellules mémoire. Et bien sûr, les deux mécanismes sur lesquels je vais revenir, qui sont très dépendants des cellules T, à savoir la commutation de classe et la maturation d'affinité. Donc, qu'est-ce que c'est que cette formation du centre germinatif? Ben, en fait, la séquence des événements, elle est indiquée ici. Donc, dans les zones T, vous allez avoir dans un premier temps des cellules dendritiques qui vont activer des cellules T CD4 naïves, dont certaines vont devenir donc des cellules T de type TFH. Exprimant CXCR5, elles vont migrer en direction de la zone B, ici, donc dans les zones B, dans les zones folliculaires. Et au niveau de cette zone, elles vont pouvoir interagir avec des cellules B qui auront elles-mêmes reconnu l'antigène. Et donc là, il va se former un conjugué cellulaire, si vous voulez, entre une cellule T et une cellule B, globalement avec les mêmes modalités que celles que j'ai discutées la semaine dernière pour les interactions entre les T et les DC. Hein, je vous ai montré une imagerie où finalement les cellules commençaient à rentrer en contact, détecter si elles avaient quelque chose à se dire, en gros de spécifique. Et une fois qu'elles avaient trouvé ce signal d'interaction, eh bien, elles formaient des conjugués beaucoup plus stables, qui perduraient vraiment dans le temps, et au sein de la synapse immunologique, donc de la zone de contact entre ces deux cellules, c'est là que s'opéraient tous les échanges productifs entre la cellule B et la cellule pardon, la semaine dernière, c'était entre la cellule T et la cellule dendritique, et pour aujourd'hui, ce sera entre la cellule B et la TFH. Et donc, ce conjugué est formé et va migrer et s'installer donc dans des zones, dans la zone B qu'on appelle les centres germinatifs. Et c'est à l'intérieur de ces zones, de ces centres, que le dialogue va s'intensifier entre les cellules B et les cellules T. Et c'est de ces centres germinatifs que vont émerger les plasmocytes à longue durée de vie, les cellules B mémoire. Alors, les contacts initiaux peuvent permettre de l'activation B, mais en fait, les B qui sortent de là, hein, qui n'en sont pas rentrés en fait dans le centre germinatif, eh bien, donnent naissance à des plasmocytes à relativement courte durée de vie et essentiellement producteurs d'IgM. Donc, tous les bénéfices de l'aide des TOB se déroulent dans ce centre germinatif. Alors si vous avez une image ici de ganglion, ben vous avez ici toute la zone B, et vous voyez bien ici hein, ces petites structures que sont les centres germinatifs dans lesquels cette interaction TB donne le maximum de son intensité et de son potentiel. Et alors dans cette zone, ben, progressivement, les cellules B vont se différencier en plasmocytes, d'abord donc des plasmocytes à courte durée de vie, et puis des plasmocytes à longue durée de vie. Et vous avez ici une image de ces plasmocytes à longue durée de vie. Vous voyez que, contrairement aux lymphocytes B naïfs, ils ont énormément de cytoplasme, mais en fait parce que toute leur machinerie est orientée vers la production massive d'anticorps. Et donc ce processus hein, de différenciation va être guidé, comme toujours, hein, par des programmes transcriptionnels, et notamment vous avez en vert le facteur de transcription BLIMP1 ici, qui va être très important pour ces dernières étapes et dont l'expression est vraiment maintenue grâce à l'interaction des TFH avec les B. Alors, pour rentrer dans un peu plus de détails des deux grands conséquences
de l'activation des B par les cellules T, eh bien, en fait, ces deux conséquences, qui sont donc la commutation de classe et l'hypermutation somatique, hein, donc sur laquelle je vais revenir maintenant, eh bien, c'est le résultat de la stimulation par le signal 2, donc la stimulation de la molécule du récepteur CD40 sur les B. Et en fait, une des conséquences majeures de l'interaction CD40-CD40 ligand, c'est que un enzyme qui s'appelle Activation Induced Cytidine Deaminase ou AID va être induite par cette stimulation. Et en fait, cette enzyme, elle a pour caractéristique de remplacer de façon un petit peu aléatoire des cytosines par des uridines. C'est une réaction de déamination qui conduit à ça. Et donc, ça crée des mismatchs et ces mismatchs vont ensuite donner lieu à la création d'un site abasique par excision de l'uridine ici grâce à une enzyme qui s'appelle UNG. Et donc, vous voyez qu'il y a des petites modifications de l'ADN qui vont pouvoir donner lieu à des cassures d'ADN. Et en fait, cet ADN, comme toujours, a besoin d'être réparé. Et en fait, c'est la réparation de cet ADN qui va être impliquée dans les phénomènes ici de commutation de classe. Donc CSR, c'est pour Class Switch Recombination, donc la commutation de classe ou la commutation isotypique ou le switch isotypique, tout ça c'est des synonymes, c'est en gros le changement de classe d'anticorps. Et par ailleurs, cette réparation va également donner lieu à l'hypermutation somatique ou SHM pour Somatic Hypermutation. Et donc je vais rentrer dans un tout petit peu plus de détails pour chacun de ces deux mécanismes. Alors, concernant la commutation de classe, eh bien, en fait, vous allez avoir, suite à l'intervention de AID, la création d'un site abasique ici, et la réparation va mettre en jeu le système dont on avait déjà parlé dans le contexte de la recombinaison VDJ. Donc c'est ce système de non-homologous end joining, donc de réparation de l'ADN. Et donc, c'est par ce mécanisme-là que va avoir lieu la commutation de classe. Alors, comment ça marche ? Bien, en fait, si vous avez ici une représentation du chromosome codant pour les chaînes lourdes d'anticorps, alors, vous avez évidemment le locus VDJ qui a déjà été réarrangé, qui définit la spécificité de l'anticorps. Et en 3' de ce locus VDJ, vous allez avoir tous les exons qui codent pour les parties constantes des chaînes lourdes. D'abord, celles qui codent pour des chaînes lourdes de type IgM, donc des domaines de type CMU, des domaines constants CMU, puis les différentes autres classes d'anticorps. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que en 5' pardon, de chacun de ces exons-là, vous allez retrouver des petites séquences qu'on appelle les séquences switch. Et il y a une séquence switch propre à chacun des classes d'anticorps. Donc vous avez ici SMU en amont des domaines constants CMU, S-gamma-3 en amont des domaines constants C-gamma-3, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va avoir des événements de recombinaison entre deux de ces séquences switch, une séquence d'origine, par exemple la séquence MU, et une séquence définie on va le voir, par les cytokines produites par les cellules T. Et donc l'une de ces séquences, S-gamma-3 par exemple ici, va venir s'apparier avec la séquence MU, créer, comme vous le voyez ici, une petite boucle. Et en fait, ce système-là va être résolu, va être clivé, donc on va éliminer ces portions ici d'ADN qui contenait les domaines constants codant pour les IgM et aussi les IgD. Je parlerai très peu des IgD parce que c'est un petit peu à part. Et en fait, une fois que ce système est résolu, eh bien, l'exon VDJ ici, qui avant la recombinaison était immédiatement en amont des séquences CMU et donc l'anticorps sécrété était forcément une IgM, va se retrouver maintenant immédiatement en amont de C-gamma-3. Et donc, l'IgG qui sera produit à ce stade sera une IgG3, par exemple. Alors, comme je l'ai dit, le choix de la séquence switch qui va être ciblée ne se fait pas au hasard. Et en fait, c'est le rôle des cytokines produites par les cellules TFH
qui vont déterminer finalement quelle séquence switch va être sélectionnée pour s'apparier avec les séquences mu. Et donc, quel rôle joue en fait ici AID ? Eh bien, une fois que la cytokine a déterminé le choix de la séquence switch et que donc ce genre de structure s'est formé, eh bien, AID va venir sélectivement ici créer des sites abasiques au niveau des séquences switch qui sont impliquées, et du coup ça va provoquer les cassures d'ADN ici et le système de réparation. Et c'est à ce titre que AID est important dans le processus. Alors comme c'est indiqué ici, en fait on peut très bien, sous l'effet d'une autre cytokine, non pas choisir S-gamma-3, mais S-epsilon ou S-alpha, comme c'est indiqué dans cet exemple. Et à ce moment-là, si vous faites une recombinaison S-mu-S-alpha, ben vous voyez que tout ce qui est situé entre mu et alpha va être dans la boucle qui va être excisée. Et donc en fait, cette cellule B, en faisant la commutation de classe, perd du matériel génétique. Et ça, ça a deux implications. C'est que, d'une part, une cellule B qui aurait fait un premier événement de recombinaison, par exemple ici vers gamma 3, peut, si le contexte cytokinique change, faire un deuxième événement de recombinaison. Mais, et c'est la deuxième implication, ce deuxième événement de recombinaison ne peut avoir lieu que si la séquence mu est disponible, et donc elle n'était pas, la séquence switch est disponible, et donc qu'elle n'a pas été excisée de l'ADN lors de la première étape de recombinaison. Donc en gros, ce que je viens de dire, là, de façon un peu confuse, je suis désolé, c'est qu'on peut avoir des événements de commutation progressifs à condition qu'ils se dirigent depuis la gauche, ici, vers la droite. Si vous commencez directement par faire une recombinaison S-mu-S-alpha, ben, tout ce qui est entre les deux, ici, sera perdu, et donc vous ne pouvez jamais faire marche arrière. Voilà. Donc, en gros, hein, on peut faire des commutations de classe. Ça dépend de ce qui a eu lieu avant et de l'environnement cytokinique. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Oui, alors je vois une question. L'enzyme AID, Activation Induced Cytidine Deaminase, c'est bien ça. Ouais. Je vois que vous avez répondu par vous-même. Donc voilà pour la commutation de classe. Et donc comme je l'ai indiqué, hein, bien, c'est important que les cellules TFH aient un potentiel de production de cytokines très différentes. Et de fait, hein, qu'on ait une TFH qui provienne d'une TH1, d'une TH2 ou d'une TH17 ou même d'une TREG, ça permettra d'avoir des cytokines aussi différentes que l'interféron gamma, l'IL-4, l'IL-5, l'IL-17 ou l'IL-10 ou encore le TGF-bêta qui seront produites. Et vous voyez que chacune de ces cytokines a, seule ou en combinaison, des propriétés d'orientation de la commutation de classe vers différentes classes d'anticorps. Donc de nouveau, hein, si on se place sur un cadre vaccinal, eh bien, ça peut être intéressant d'avoir cette information pour dire ben, si je sais que ce qui va être protecteur contre mon pathogène, c'est d'avoir par exemple des IgG2A, eh bien, il faut s'arranger pour que le vaccin donne lieu à une réponse de type TH1 avec une production d'interférons gamma. Donc vous voyez comment on peut essayer d'exploiter ça. On ne sait pas très très bien le faire, mais c'est dans l'air du temps d'essayer d'exploiter cette information pour affiner les réponses vaccinales mises en jeu contre un pathogène ou contre un autre. Donc voilà pour la commutation de classe. Comme c'est un mécanisme un peu compliqué, de nouveau, je vous propose de faire un break d'une minute pour voir s'il y a des questions. Alors j'ai une question. Le premier effet de la cytokine sur la commutation est généralisé à toute la cellule. Alors, j'imagine, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais j'imagine que ce que vous voulez dire, si par exemple on a une TFH qui produit de l'interféron gamma, eh bien cet interféron gamma va être délivré vraiment au contact de la cellule B, et donc cette cellule B, sous l'imprégnation d'interféron gamma, va faire une recombinaison de sa séquence S-mu vers la séquence S gamma 2A, et du coup l'enzyme AID qui sera induite par CD40 va venir créer des sites abasiques dans cette zone de recombinaison, et la réparation va conduire au fait que la cellule B
va changer la production de son IgM pour une IgG2A. Et donc, effectivement, ça va affecter toutes les anticorps produits par cette cellule, puisqu'ils proviennent d'un seul et même, un seul et même gène. Alors, j'ai une question aussi sur l'hypermutation somatique. Et contrairement à ce qui est dit, donc, l'hypermutation somatique correspondrait à une sorte d'accumulation de commutations de classe à chaque rencontre avec l'antigène. Non, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Puisque, en fait, le processus de commutation de classe que je viens de décrire, vous voyez, impliquait CD40, AID et impliquait des mutations sur les parties constantes des anticorps. Et ce qu'on va voir maintenant, donc, concernant l'hypermutation somatique, c'est que là aussi, CD40 est impliqué, AID est impliqué, mais en fait, on va avoir des petites créations de sites abasiques sur l'ADN qui vont être réparées par des ADN polymérases qui sont infidèles, donc qui font pas mal d'erreurs, et qui vont affecter sélectivement, cette fois-ci, les séquences VDJ. Et donc, en fait, la séquence VDJ étant la séquence qui va coder pour la partie qui reconnaît l'antigène, si vous faites des mutations sur VDJ, et c'est ce que va faire ce processus en conséquence de l'action d'AID, eh bien, c'est que vous allez pouvoir finalement avoir trois conséquences possibles. Soit la mutation finalement fait augmenter l'affinité de l'anticorps pour l'antigène, soit elle n'a pas d'effet sur cette affinité, soit elle fait perdre l'affinité de l'anticorps pour l'antigène. Donc ça, c'est vraiment ce qui peut arriver théorique quand on fait une mutation sur une interaction existante. Soit on peut l'améliorer, soit on la laisse pareille, soit on la diminue. Et donc, le fait que l'augmentation d'affinité se produit pendant la réponse immune signifie que, en plus de cette mutation qui génère finalement une affinité aléatoire, pour le nouveau BCR muté, eh bien, il doit y avoir un processus de sélection pour ne permettre d'accumuler que les mutations qui favorisent la reconnaissance de l'antigène. Donc là, c'est un petit peu compliqué, mais pour avoir ce processus de sélection, en fait, il vous faut trois cellules. Il vous faut la cellule B, la cellule TFH, dont on a déjà parlé, et c'est, vous l'avez compris, le dialogue entre ces deux cellules qui va permettre l'accumulation de mutations sur les séquences VDJ. Et puis, il y a un troisième larron qui arrive ici, c'est la cellule folliculaire dendritique, ou FDC. Alors, de suite, je précise que la cellule folliculaire dendritique n'a rien à voir avec une cellule dendritique. Elle n'est même pas d'origine hématopoïétique. Mais c'est une cellule très rare, qu'on retrouve dans le centre germinatif, et qui exprime toute une série de récepteurs pour finalement capter, fixer tous les antigènes qui passent dans son environnement. C'est une sorte d'éponge à antigènes, si vous voulez. Et en fait, les cellules B vont se servir de cette cellule FDC comme une sorte de présentoir d'antigènes, et au fur et à mesure que leur BCR est muté, ils vont tester si finalement les mutations qui sont apportées au BCR ont permis de renforcer ou pas l'affinité de l'antigène. Et en fait, comment se fait la compétition? C'est que plus une cellule B a un BCR qui, suite à la mutation de VDJ, a une plus haute affinité, et plus cette cellule B de haute affinité aura un accès privilégié pour interagir avec l'antigène à la surface des cellules FDC. Et à l'inverse, une cellule B qui aurait perdu d'affinité de son anticorps après la mutation somatique, eh bien, cette cellule B perdra l'accès privilégié à la FDC. Et en fait, la cellule qui a accès bénéficie de facteurs de croissance et va pouvoir être maintenue en vie et continuer d'interagir avec la TFH. La cellule B qui ne peut plus interagir, eh bien, elle va finir par être négligée et mourir par apoptose. Et donc vous voyez que si ce processus se produit de façon itérative, eh bien en permanence, les cellules B qui mutent leur BCR sur le VDJ, hein, grâce au processus que je viens de décrire, petit à petit, au fur et à mesure, eh bien celles qui ont un BCR de plus haute affinité sont sélectionnées et vont donc sécréter des anticorps de plus en plus haute affinité. Donc c'est un mécanisme un petit peu compliqué, hein, j'en suis conscient, mais de nouveau, l'important à retenir, hein, c'est que en fait,
Il dépend de CD40, d'AID, qui va faire des mutations sur les parties de reconnaissance de l'antigène de l'anticorps, mutations qui seront finalement ici à l'origine de ce processus de sélection qui favorisera les cellules B de plus haute affinité. Voilà. Et donc, c'est voilà une image de ces cellules folliculaires. Hein. Vous les voyez, sont très très rares. On n'a pas vraiment de modèle cellulaire. C'est une cellule très mal connue. Vous avez une série de récepteurs ici qu'elle exprime. Et puis, vous voyez des cellules B et T qui sont collées à cette cellule-là et qui interagissent avec dans un processus très très dynamique, très itératif, pour petit à petit faire émerger des cellules B de haute affinité. Alors, je fais juste un break d'une seconde parce que je suis au laboratoire et on m'appelle. Je suis là, je suis en train de faire un cours en live. Ah, pardon, Non, c'est pas grave, je peux repasser te voir juste après. J'ai la feuille à midi et demi là-bas. Midi et demi. Bon, à midi et quart, je vous casse avec la voiture, je m'amène. D'accord, très bien. Allez. Donc, c'est du live. Hein. Donc, c'est en live comme en live. Donc, en fait, je suis au laboratoire, on est quelques personnes à avoir été autorisées encore à accéder au laboratoire pour exercer des tâches d'entretien général. Et bon, aujourd'hui, modestement, on essaie de contribuer un petit peu à l'effort. On a récupéré tous les gants, les quelques masques, parce qu'il y a eu beaucoup de vols, quelques masques, quelques lunettes de protection. Et mon collègue qui m'a interrompu là va aller les amener dans les hôpitaux pour essayer un tout petit peu d'aider. Donc, dernière diapo de ce cours. Donc, pour vous récapituler ce processus, hein, où donc on a des cellules T naïves qui vont être activées de façon conventionnelle par des cellules dendritiques. Ces cellules T activées vont, pour certaines, pouvoir se différencier en T folliculaires helper, qui vont aller dans la zone B et interagir avec les B pour permettre à ces dernières de se différencier en plasmocytes à très longue durée de vie, producteurs de classes diversifiées d'anticorps de haute affinité. Et ce que vous voyez ici, hein, c'est toute une série de mutations qu'on peut retrouver chez des patients qui ont des déficits immunitaires. Et vous voyez notamment hein, que ces patients peuvent avoir des déficits dans CD40 ligand ou dans CD40, et donc ou encore dans AID ou UNG. Donc vous comprenez bien que, avec ce que je vous expliquais avant, chez ces patients, l'interaction TB ne peut pas avoir lieu comme il faut. Il ne peut pas y avoir de commutation de classe, il ne peut pas y avoir de maturation d'affinité. Et donc, en fait, souvent, ces patients ont un phénotype qui est assez clair, avec un syndrome qu'on appelle un syndrome hyper-IgM. Et vous comprenez pourquoi, hein? C'est parce qu'en fait, leurs cellules B ne peuvent jamais bénéficier de l'aide des T. Donc, la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est produire des IgM. Et donc, chez ces patients, dans le sang, on retrouve ni IgG, ni IgA, ni IgE, mais uniquement des IgM en plus grande quantité, puisque les autres classes ne peuvent pas être générées. Et donc, voilà un tout petit peu ce genre de déficit dont souffrent ces patients. Évidemment, hein, tous les déficits qui sont développementaux dans le développement des B conduisent à une absence totale d'anticorps, hein, donc ni IgG, A ou E, ni IgM, puisque là, les cellules B ne sortent même pas de la moelle osseuse. Voilà, donc globalement, c'était la dernière diapo, un tout petit peu de résumé de ce cours. Alors, comme d'habitude, hein, à la suite de ce cours, vous pourrez vérifier vos connaissances avec le mot croisé et le test prévu sur Moodle. La semaine prochaine, on va essayer, vous me direz si cette formule vous convient, faire le cours sur les mécanismes effecteurs des cellules T et B. Donc, vous pouvez vous préparer à ça en regardant quelques vidéos dans l'activité A4-18. Et puis, ben, vous pourrez préparer, et pas assister pour le coup, mais préparer le TD numéro 6 en 4 temps. Hein, vous pouvez prendre connaissance de l'énoncé. Postez si vous le souhaitez vos réponses dans un devoir. Plus tard, je rendrai accessible le corrigé. Et puis, s'il vous reste des questions, rendez-vous sur le forum pour échanger avec moi. Donc, la règle dans ces périodes où l'interaction est un peu plus limitée, c'est utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition pour me contacter en cas de problème. Donc, vous avez mon mail, vous avez Twitter, vous avez les forums dédiés maintenant. Et j'espère que dans ces conditions, ben, on arrivera à continuer
progressivement à travailler. Voilà, je reste quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, on me demande de reprendre la diapositive 30 sur les mécanismes de la commutation de classe. Voilà. Donc, je pense que c'est cette diapositive. C'est vrai que j'étais un tout petit peu bafouillé quand j'ai expliqué ça. C'est bien de celle-là qu'il s'agit. Je pense. Hein. Donc, je reprends cette diapositive pour indiquer donc que, en fait, en amont de chacun des exons qui va coder pour les parties constantes d'anticorps, et donc vous avez des exons qui codent pour des IgM, pour des IgG3, IgG1, etc., on retrouve des petites séquences de recombinaison qu'on appelle des séquences switch. Et donc, vous voyez qu'il y en a une en amont de chacun des exons qui va coder pour les parties constantes d'anticorps. Et en fait, la commutation de classe va se produire lorsque une recombinaison entre la première séquence qui est utilisée, c'est-à-dire la séquence SMU, va se faire avec l'une ou l'autre des séquences présentes en amont des autres types d'exons. Donc par exemple, si je reprends l'exemple qui est pris ici, ça vous donne un événement de recombinaison entre SMU et S-gamma-3. Et donc, cette recombinaison entre SMU et S-gamma-3 rapproche ces deux séquences, crée une petite boucle avec tous les exons qui sont entre SMU et S-gamma-3, et cette petite boucle, qui est sur l'ADN, hein, sera résolue, donc clivée, et donc sera éliminée physiquement de l'ADN. Donc cette petite portion là ici sera éliminée de l'ADN. Et du coup, lorsque cette structure aura été résolue, les séquences VDJ, donc qui codent pour la partie variable de reconnaissance de l'antigène, seront immédiatement associées aux exons qui codent pour C-gamma-3. Et donc là où l'anticorps qui était produit avant était une IgM, suite à cet événement de commutation isotypique, eh bien, l'anticorps produit de même spécificité sera cette fois-ci une IgG3. Et donc, qu'est-ce qui définit le type de séquence qui va être choisi pour faire la recombinaison? Eh bien, c'est les cytokines produites par les cellules de type TFH. Alors, c'est un peu long, ça serait un peu long de donner les mécanismes, mais en fait, les cytokines induisent des programmes transcriptionnels qui font que la séquence cible de la recombinaison va se mettre à être transcrite, et c'est cette transcription qui va induire le phénomène de recombinaison. Et donc, si vous avez, par exemple, de l'interféron gamma qui est produit, eh bien, ça va cibler la recombinaison entre le S-gamma-2A ici et le S-mu, et à la fin, vous aurez une IgG2A qui sera produite. Et l'autre point à voir, c'est quel est le rôle que joue AID dans ce processus. Eh bien, une fois que la boucle ici de recombinaison a été formée, eh bien, c'est les créations de sites abasiques induits par AID et qui vont se produire sur les séquences mu et gamma-3 là, qui ont été ciblées, qui va générer le processus finalement de résolution de la boucle, d'élimination de la boucle et de religation de l'ensemble de l'exon. Et donc, comme je le disais, hein, c'est un processus qui peut ne pas avoir lieu qu'une seule fois dans la cellule B, mais plusieurs fois. Pour cela, pour que ça se produise plusieurs fois, il faut que le contexte cytokinique change, donc que d'autres cytokines soient produites pour favoriser la commutation de classe, par exemple vers S epsilon, si on a de l'IL4. Et pour cela, il faut également que les gènes soient disponibles, puisque si, suite à un premier événement de commutation de classe, les gènes avaient été excisés de l'ADN, évidemment, la recombinaison ne pourrait pas avoir lieu. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Dans tous les cas, je crois que j'ai mis une petite vidéo qui explicitait ce mécanisme-là sur Moodle. Je vais le vérifier. Si je ne l'ai pas fait, j'essaierai de le retrouver. Alors, est-ce que j'ai une autre question? Toc, toc, je vérifie. Alors, Alexiane qui demande, au début, vous avez dit pour les cellules B2
qu'elle produise des IgM ou des IgN, sachant que son voisin s'amuse avec sa perceuse, donc elle n'a pas entendu. Ok, donc il n'y a pas d'IgN. Donc, les cellules B2 ne produisent que des IgM. Voilà. M, mu. Voilà, sur ce, je pense que... il n'y a pas d'autres questions. Donc, effectivement, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Vous me ferez un retour peut-être sur le moyen que vous voulez, hein, sur Moodle ou autre, sur la qualité, si ça vaut le coup de continuer comme ça. Moi, j'ai trouvé que c'était sympa. C'est un peu déstabilisant d'être en face de personne, mais sinon, c'est sympa. Et donc, du coup, bon courage à vous. Alors, il y a des diapos qui sont marquées importantes, mais rien n'est plus important en ce moment que de rester confiné chez soi et de favoriser le travail des gens qui sont... au revoir.